Alors, nous avons choisi, avec l'équipe de direction, et puis j'ai choisi aussi d'offrir ce livre à une équipe enseignante. Alors, le choix d'offrir, c'était aussi d'offrir quelque chose qui soit un peu un signe d'une culture commune qu'on souhaitait développer pour l'école, et puis mettre en avant aussi ces termes forts de la coopération, du partage des talents, de ce qui est vraiment défendu dans le livre, et aussi le pouvoir d'agir des jeunes. C'est-à-dire que dans ce livre, on redonne sa place aussi aux jeunes comme un être pensant qu'on accompagne, qui est aussi qui naît dans une culture, dans un monde à questionner. Et la démarche du livre, c'est tout au long des apprentissages, comment on va accompagner ce jeune et comment la relation va être première aussi, la relation à soi, la relation aux autres, la relation à son enseignant. Voilà, donc tout au long de ce livre, c'est aussi la relation au cœur des apprentissages. Donc du coup, forcément, les échanges réciproques de savoir, les outils aujourd'hui numériques, comment on peut les exploiter comme source de partage. Voilà, donc offrir ce livre, c'était dire, voilà, on a eu la chance d'avoir une culture commune issue d'expériences menées aussi dans l'établissement. Comment on va lire ensemble ce livre et partager, et voir aussi croiser nos regards à travers une lecture partagée, ce qui est le projet d'ailleurs de cette rentrée, de partager ce livre dans une lecture commune.